Et peu de la situation dans le monde et en France. Le monde, si nous sommes très préoccupés hein, et très travaillés par ce qui se vit ici, le monde traverse une crise aussi économique et financière, je dirais presque monstrueuse, parmi les pires depuis 1929. Nous savons tous où a conduit cette crise de 1929. Il faut prendre garde, je pense, ne pas se replier sur soi-même, lutter contre toute forme de xénophobie, ne pas revenir à de vieilles recettes qui ont prouvé leur inefficacité, comme le protectionnisme, la réglementation excessive ou des ingérences étatiques inadaptées. Il faut au contraire poursuivre des politiques actives de réforme, d'ouverture, de coopération internationale. Nous avons des défis, nous avons ce défi de la crise financière, nous avons le défi écologique, nous avons le défi alimentaire. Tous ces défis, ben, nous ne pourrons les gagner que si nous sommes unis ensemble, tous les peuples de la Terre. L'action conduite par notre président de la République, Nicolas Sarkozy, et notre ministre des Affaires étrangères européennes, Bernard Kouchner, est à cet égard, je le crois, vraiment déterminante. Nous pouvons être fiers, en particulier, de l'engagement français en faveur de la réforme de la gouvernance de la zone euro, qui a été réalisée ces dernières semaines avec notamment nos amis allemands. Je note la présence dans l'assistance d'un ami que je veux particulièrement saluer, qui est mon ami Wolfgang Moser, qui s'en va cette année. Et je dois dire que pour moi, et pour la France, bien sûr la coopération franco-allemande, ça demeure quelque chose que nous voulons constamment pousser, avancer, creuser, parce que c'est aussi par là que nous pourrons sortir de la crise européenne. Alors je ne vais pas gloser sur la situation en France. Je crois que le président de la République a clairement fixé un certain nombre de caps. Je me permettrai cependant devant vous une pensée pour Alain Joyandet, qui vient de présenter sa démission, comme vous le savez tous. Je la regrette. J'ai eu l'occasion de travailler étroitement avec Alain Joyandet à Paris, lorsqu'il a été nommé secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui aussi lors de ses passages à Antananarivo. Alain Joyandet s'était profondément investi dans la résolution de la crise malgache. Je voudrais vraiment lui témoigner publiquement, personnellement, de ma solidarité et de ma sympathie dans des moments qui, je le sais, ont été difficiles pour lui. Je suis convaincu que Bernard Kouchner défendra avec une passion identique à celle d'Alain Joyandet les dossiers de l'Afrique, de Madagascar, de l'aide publique au développement, de la francophonie. En ces temps de restrictions budgétaires et en ces temps de repli sur soi, c'est un combat noble et louable. Partout, plus que jamais, notre monde, tout comme la France, tout comme Madagascar, a besoin de solidarité pour tenir la promesse d'un avenir meilleur pour nos enfants. Je voudrais, en pré-conclusion, saluer vraiment le travail formidable de l'équipe qui est avec moi. D'abord l'équipe qui a permis l'organisation de ce petit événement modeste, et raisonnable, comme vous le savez tous. Donc, merci à tous ceux qui sont derrière cela. Remerciements particuliers à mon intendant, Vincent Rivière, qui est absolument exceptionnel. Et puis, remerciements à toute mon équipe à l'ambassade. Ma numéro 2, Marie-Annick Bourdin, qui est exceptionnelle. Mon attaché de défense, Bernard Hugues, vous connaissez. Mon conseiller de coopération et d'action culturelle, Philippe Georget. Ma conseillère commerciale, Véronique Passier. Mes collaborateurs de chancellerie, Claude Blévin, Jacques Forestier, qui n'est pas là aujourd'hui. Mon directeur de l'Agence française de développement, Olivier Peset. En fait, sans eux, je ne serais rien. Donc je voudrais très publiquement les remercier de tout ce qu'ils font derrière moi, avec moi, pour vous. En conclusion, je me réjouis de pouvoir évoquer avec vous, et puis bien sûr, comme toujours, j'en ai oublié un que je vais citer maintenant, qui est Philippe Rémangeon, l'attaché de sécurité intérieure,
ainsi que le consul général Alain Jouret. C'est le très grand danger de partir dans des listes, c'est qu'on oublie toujours les noms des gens absolument remarquables qui sont avec vous. Mais plus globalement, au-delà des noms que j'ai cités, je voudrais vraiment remercier les 200 personnes qui travaillent pour l'ambassade de France. En conclusion, je me réjouis de pouvoir évoquer avec vous la participation de l'armée malgache au défilé sur les Champs-Élysées qui vient de se dérouler. Ce 14 juillet, aux côtés de 12 autres armées africaines et de l'armée française. Il s'agit là d'un hommage rendu à des frères d'armes qui se sont battus contre la barbarie et pour notre liberté commune. Rien ne pourra jamais effacer ce que nous leur devons, et nous devons nous en souvenir. Je voudrais maintenant simplement lever mon verre à la France, à Madagascar, à la coopération malgacho-française, pour qu'elle se poursuive. Azam et Afa Afa. Apparemment, c'est juste que nous sommes en train de nous faire.